En passant de la manche à mes liens d'abord, j'étais encore petite. J'avais peut-être 11 ou 12 ans. J'avais des copines très grandes de taille comparées à moi. Et à chaque fois, elles allaient toujours au training, du mannequin. Et moi, quand j'essayais de voir, de les accompagner, je voyais toujours qu'on voyait des filets, j'étais grande et tout. Et ça me passionnait. Je disais, oh oui, moi aussi, j'ai envie de faire ça. C'est beau de voir comment elles marchent et tout. Donc, c'est de là où vient ma passion, normalement, de mes amis. Mon entourage, en fait, il y a la télé aussi, quand je voyais souvent les défauts des modes, de Naomi Campbell, de beaucoup de stars, Tyra Banks. Ça me passionnait, en fait. Et après, je me suis lancée. Je suis devenue mannequin. C'était un jour, j'accompagnais ma petite sœur passer un casting de mannequin. Et c'est là où j'accompagnais juste. Et c'est là où il y a eu un célèbre styliste gabonais, Yes Dan, qui m'a remarqué, qui m'a dit, mais toi, tu passes le casting. J'ai dit, ah, mais je ne sais pas marcher. Ben, il m'a dit, non, mais essaye quand même. Et c'est pour ça que j'ai essayé et tout de suite, il m'a pris, après il m'a formé et c'est là où j'ai rencontré aussi Chouchou Lazare qui m'a aidé aussi et Son Alejandro. Bon, ce sont mes trois stylistes du Gabon, ce sont eux qui m'aident et c'est grâce à eux que je suis devenue mannequin. Parce qu'ils m'ont soutenue, ils étaient là pour moi, ils me suivent partout où je vais. J'ai été élue Miss Casino Croisette 2015 au Gabon, Miss Corée 2017 à Douala. Première dauphine, Miss Intégration CEMA au Gabon. J'ai aussi été dans le top 10 de la workshop faite par Claudia Peya et Craig. Et actuellement, je suis à Brazzaville pour la fashion show de Brazza. On se dirait au Bénin pour la FESMA. Mon ambition, c'est de faire la promotion de la mode gabonaise dans le monde. Car on sait tous qu'il n'y a pas trop de Gabonais qui réussissent dans ce secteur. Certes, il y en a quand même certains qui se démarquent les autres, mais ce n'est pas trop ça en fait. Le Gabon, on n'entend pas trop parler du Gabon dans les agences de mannequins populaires et tout. C'est pas tout ça. Donc, si je peux représenter ça, ça me fait vraiment faire ça. Comme loisir, j'aime bien danser. Et je suis gymnaste aussi, donc je fais beaucoup de sport et de gymnastique en même temps. Et en même temps, en ce moment, je me suis mise à la lecture. Parce qu'avant, c'était pas trop ça pour moi. Mais maintenant, je fais des efforts, donc je lis pour apprendre à mieux me structurer. Quel que soit le domaine auquel tu veux parvenir, ne jamais se décourager. C'est tout pour atteindre tes objectifs, peu importe les obstacles. Tout vient de toi, la foi, la persévérance et si d'abord ta confiance en toi-même. C'est comme ça que tu pourras réussir. Bisous le Gabon, bisous Brazzaville, bisous le Bénin, bisous toute l'Afrique et bisous le monde. Merci.